Au début, on a travaillé sur les alphas de la famille voyelle et les alphas de la famille consonne longue. Je vais expliquer ce que c'est. Avant le confinement, on avait vu des nouveaux alphas, mais là, on va faire des petites révisions sur la famille voyelle, la famille consonne longue et les premiers mots qu'on peut écrire avec. Donc, dans la famille voyelle, nous avions monsieur Y qui fait l'équilibriste sur un fil et qui a peur de tomber. Monsieur Y, il fait Madame I qui mange beaucoup de frites à force d'en manger est devenue longue et elle rit beaucoup, elle fait i. Madame E, quand elle réfléchit, elle fait E. Quand elle a une auréole sur la tête, elle fait E. Ou parfois E. Et quand elle ne sait pas, elle se tait, elle reste muette. Ici, nous avons Mademoiselle U, que j'ai mis deux fois. On ne sait jamais, ça peut servir. Mademoiselle U, elle galope sur son cheval et elle fait U. Et à force de faire du cheval, ses deux tresses se sont dressées sur sa tête. Ici, nous avons Monsieur A qui porte sa canne à l'envers. Il aime faire des blagues et il fait ha 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 ha. Ici, nous avons Monsieur O qui aime beaucoup faire des bulles. Et quand il voit ses bulles, il fait oh. Mais lorsque la bulle éclate, il fait oh. Voilà pour la famille voyelle. Ici, nous avons la famille consonne longue. Le jet d'eau, qu'est-ce qu'il fait? Le jet d'eau, il jette de l'eau sur les méchants bêtas et fait zzzz. C'est un chat qui ne miaule pas mais qui aime le silence. Il chuchote, il fait chuchote. Le monstre, il n'est pas méchant. Il La fusée qui emmène Petit Malin jusqu'à la planète des bêtas et qui fait. Le vent qui vibre et fait s'envoler les bêtas. Le serpent qui mord les bêtas. Et il siffle. La limace qui avance lentement avec sa longue langue et elle fait le nez qui est enrhumé et fait et enfin le robinet qui ronchonne parce qu'il est bouché.